les deux fêtes de fin d'année. Donc Noël et Saint-Sylvestre ou la fête de Nouvelle. Pour la simple et bonne raison que ces deux fêtes sont des fêtes qui véhiculent des notions qui contredisent la doctrine du Tawhid ou de l'unicité de Dieu en Islam. C'est ce que les gens ne savent pas. Car pour les chrétiens, la fête de Noël, quand les chrétiens célèbrent la Noël, en réalité, ils sont en train d'exprimer leur reconnaissance envers Dieu. Pour quelle raison? Parce que pour les chrétiens, les jours de Noël, c'est les jours où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine en la personne de Jésus. Il est né d'une femme en la personne de Marie. Il est venu mourir sur la croix pour qu'à travers notre croyance à sa mort prétendue expiatoire sur la croix, nous obtenions le pardon de nos péchés et recevions la vie éternelle. C'est cela le sens de la fête de Noël. Donc un musulman qui célèbre cette fête, il accuse Allah et son prophète d'être des menteurs. Parce que si vous célébrez cette fête, vous voulez en réalité nous dire, vous êtes d'accord avec les chrétiens pour dire que Jésus, Dieu était venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus. Dieu va venir sur la terre faire quoi? قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملك رسول. Dieu va venir sur la terre, il est arrêté par ses propres créatures, bâti, frappé, ligoté, crucifié. Est-ce que vous comprenez? Et à la fois il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on dit encore, il meurt. C'est-à-dire les êtres humains le tuent. Donc nous sommes coupables de déicide. Donc on a tué Dieu. Non, celui-là n'est pas le Dieu de l'islam, et moins encore le Dieu de Jésus. Parce que le Dieu de l'islam, c'est lequel? Il ne meurt pas. Et il ne peut pas mourir parce que c'est lui qui a créé la mort. Et il nous montre clairement que tout celui qui meurt ne peut pas être Dieu. Alors quand vous célébrez cette fête, vous êtes d'accord avec eux pour dire que vous croyez que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine et qu'il est né d'une femme et que c'est Dieu et Jésus. Si vous croyez que Jésus est Dieu, alors vous remettez en cause le verset du Coran. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. Donc vous voulez nous dire que ce verset est faux. C'est pourquoi vous célébrez la Noël, parce que vous croyez avec les chrétiens que Jésus est Dieu. Et si vous célébrez la Noël, c'est-à-dire vous croyez que Dieu est né d'une femme à la personne de Marie. Par conséquent, vous remettez en cause le verset du Coran qui dit لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Et si vous célébrez Noël, c'est-à-dire vous êtes avec les chrétiens, d'accord avec les chrétiens, pour dire qu'effectivement Dieu est mort sur la croix. Ou que Jésus est mort sur la croix. Vous remettez le verset du Coran en cause. Si c'est Jésus déjà, vous avez commis le péché. Si c'est Dieu, vous avez commis le péché. Et si vous croyez que c'est Jésus qui est mort sur la croix, vous remettez le verset du Coran en cause. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لا في من لا في لا في شك منه ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Vous remettez cela en cause. Et la Saint Sylvestre, le 31 décembre, je l'ai toujours dit, les gens ne se demandent pas pourquoi a-t-on appelé cette fête Saint Sylvestre. Sylvestre, c'est le nom d'un homme. Qui était Sylvestre? Qu'a-t-il fait pour mériter cet honneur? Sylvestre, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le 33e pape de l'église catholique romaine, qu'on appelait Sylvestre Ier. Il est mort le 31 décembre. Et pourquoi lui a-t-on dédié cette journée? Parce que c'est le pape Sylvestre Ier qui a pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus, Uluhiyat Isa alayhi salatu wassalam, soit imposée au concile de Nicée, et que
tous les Romains croient en cela de gré ou de force. Comme vous avez une bonne connexion du net ici, vous pouvez chercher sur Google. Il y a un documentaire intitulé, appelé, le titre du documentaire, c'est « Qui était Jésus ?» Qui était Jésus ? C'est un documentaire réalisé par des chrétiens en Occident, mais ce sont des positivistes, ce sont des scientifiques. Ils vous montrent dans ce documentaire quand est-ce que Jésus était devenu Dieu. Quand est-ce que Jésus était devenu fils de Dieu. Le titre, c'est « Qui était Jésus ?» Donc, c'est Sylvestre Ier qui a fait tout ce qui était à son pouvoir pour que la divinité de Jésus soit prêchée sur toute la surface de l'Empire romain. Donc, un musulman qui célèbre la fête 31 décembre, il veut en réalité nous dire, à nous musulmans, qu'il est d'accord avec Sylvestre Ier pour dire « Jésus est Dieu ». Et vous savez, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé les juifs en train de gêner les hommes à l'Ashura, n'est-ce pas? Mais le prophète a demandé, mais vous gênez pourquoi? Ils ont dit, mais c'est le jour où Dieu a donné la victoire à qui? À Moussa, sur qui? Sur le pharaon. Et le prophète a dit, nous avons plus de droits, n'est-ce pas, de commémorer ce jour que vous. Regardez, nous, les prophètes nous demandent de commémorer un jour où Dieu a accordé la victoire aux croyants sur les mécréants. Mais le 31 décembre, c'est le jour où Satan et ses armées ont eu le dessus sur les croyants. Et en définitive, mes chers frères et sœurs, si vous célébrez Noël, vous fêtez Noël et les nouvelles, Saint-Sylvestre, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réalise à vous. La tatab'ouna man kana qablakoum. Shibran bi shibri, dhira'an bi dhira'an. Le prophète a dit, vous suivrez ceux qui étaient avant vous. Vous les imiterez pas à pas. Même s'ils rentrent dans un trou, vous les suivrez. Les sahabes ont dit, Al-Yahudu an-Nasara. Le prophète a dit, Faman, qui encore? Vous allez imiter les chrétiens, les juifs. Donc quand vous célébrez Noël, vous célébrez la Saint-Sylvestre, vous imitez qui? Les chrétiens. Donc la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réalise à vous. Wa man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. C'est fini. C'est comme si vous êtes devenu un chrétien. Et si vous mourrez dans cet état, que diriez-vous devant Allah? Vous étiez en train de danser. L'imam nous a lu une partie de la sourate Ibrahim au départ, où Dieu nous dit, ne pensez pas que Dieu a oublié ceux qui sèment le désordre sur la terre. Non, non, il leur accorde un délai. Quand le délai arrivera, vous verrez vous-même. Si la mort vous trouvait là, vous comprenez, mes chers frères et sœurs, c'est un danger pour nous. Mais aujourd'hui, nous disons, les chrétiens ont le droit de célébrer leur fête. C'est leur fête. Mais quant à nous, les musulmans, nous n'avons pas le droit de célébrer ces fêtes parce que ce sont des fêtes qui véhiculent des notions qui contredisent la doctrine de l'unicité de Dieu qui a été enseignée par tous les prophètes de Dieu. Et nous devons faire très attention. Donc je pense que nous avons tout dit par la grâce de Dieu. Ce qu'on avait à dire dans les limites de notre connaissance a été dit. Prions Dieu pour qu'il nous fasse retrouver une fois de plus, qu'il nous accorde une longue vie dans la soumission à sa volonté, qu'il continue à faire de nous une fierté pour l'islam et les musulmans, et qu'il ne nous accorde la mort qu'après nous avoir destinés à entrer au paradis, accompagné du champion de Tawhid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Attendez, ne vous levez pas comme cela.